Et salut tout le monde, c'est Jules Delecour à Team 112. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, en fait, Jérémy va être beaucoup moins actif que d'habitude parce que il a attendu longtemps pour une update sur Scrap Mécanique. Je vais faire des vidéos, bien sûr, avec ce joli petit shader pack et mes 12 tronçons et cet effet de flou à la con. Les amis, nous en fait, le but de mes épisodes là, en fait, c'est de faire un village. Construire un grand village, les épisodes vont être quand même peut-être assez longs pour construire un beau village. Par contre, je comprends pas pourquoi je lag. Pourtant, d'habitude, je lag pas du tout avec ça. Je pense que c'est parce que je filme avec un enregistreur d'écran, donc ça prend les deux écrans. Alors, nous allons commencer par faire des chemins. Alors, les chemins, nous allons les faire. On va faire des chemins de 3 de largeur. Donc je pense que je vais faire des accélérés pour faire ces chemins là. C'est parti! Donc les amis, déjà dites-moi ce que vous en pensez de ce petit pattern, moi je pense que voilà. Alors, bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, c'est que dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que je peux ajouter ou retirer dans la ville. Voilà, simplement, qu'est-ce que je peux ajouter, retirer, tout, au moins je peux faire une belle ville pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme une porte? On va mettre une porte d'acacia. Alors on va déjà faire une maison ici, ça va être une petite maison. Comme ça, genre les formats des petites maisons carrées comme ça, des villageois. Hop, bah comme par hasard la porte elle se met pile au bon endroit. Voilà. Des vitres. Parce que c'est parce qu'on est dans le désert qu'on va pas avoir des vitres sur nos maisons. Des vitres comme ça, des vitres comme ça. Voilà, vous allez quand même voir assez bien quand, enfin, comment les maisons vont être d'un style. Donc voilà, forcément, la petite maison comme ça, on décorera après. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est prendre des escaliers parce que les escaliers, ça ne sert à rien de faire un truc ainsi. On te dirait du chocolat vanille. Ça me donne envie, sauf que je n'ai pas de chocolat vanille chez moi. Lol. Il n'y a pas de chocolat vanille parce que je suis pauvre et aussi parce que c'est le confinement, donc le confinement de merde, il me merde totalement. Voilà. 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 Attendez, voilà. Là, je vous montre complètement la construction de d'une maison qui va être d'un style comme ça. Enfin, ça, c'est vraiment une maison de base que je vais faire. Puis après, je vais faire d'autres styles, vous voyez. Je vais faire d'autres styles de maison. Parce que. On va pas faire, copier-coller à chaque fois. Hein. On va faire des styles sans toit, des styles genre petite hutte. Et ça, c'est déjà ce que je vais faire. Bien sûr, si vous voulez que j'ajoute un hôtel, j'ajouterai un hôtel. Hein. Hein, on se gênera pas. J'ajoute un hôtel si vous voulez que j'ajoute un hôtel, si vous voulez pas, dites-moi. Hop, voilà, nous avons la petite maison. Avec des petites vitres, par contre on va mettre des vitres derrière parce que sinon... Ça fait un peu
ça fait un peu gros là comme vitre. Voilà. Attendez, je peux pas rentrer. Voilà, ça fait une petite maison comme ça, bien sûr. Bien sûr, il y aura des maisons plus grandes, des maisons plus petites, des maisons en tout genre. Bien sûr, on va prendre du bois de la couleur. Au moins, on se change pas de la couleur. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, hein, tant qu'on vous y est. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait super gentil, vous voyez. Voilà. Je vais déjà vous montrer qu'est-ce qu'il y aura dedans. On va... attends, c'est où déjà? C'est où déjà? Je sais même plus chez où. On va mettre des fours. Bien sûr, on va pas mettre de table de craft parce que les villageois ne craftent pas. Enfin, en tout cas, à ce que je sache, ils ne craftent pas, les villageois. Donc, on va mettre un double coffre, un petit four. On va leur mettre leur lit. Et sur certaines maisons, en fait... Oh merde, certaines maisons, nous allons... mettre des champs sur les côtés ou des commerces. Bon, ça c'est la maison de base. À quoi pourrait-elle ressembler, vous voyez? On va faire un petit truc, ça va faire un petit peu de bavure là. En clair, je vais faire que ça dépasse un petit peu. Bien sûr, dommage que Jérémy n'est pas là, parce que lui il serait assez fort pour faire un petit système un peu caché. Alors que moi je suis plus... bon dans la construction de maison, même si vous allez dire peut-être que c'est pas très... voilà, c'est pas très bobo, c'est pas très... je sais pas, genre vous allez me dire qu'un prof... un pro constructeur Minecraft il va me faire mieux, je sais, mais moi c'est des petits trucs simples, rapides, efficaces pour ces vidéos, vous voyez. Moi derrière aussi il y a. Et voilà, nous avons déjà une petite maison qui est sur un des chemins. Nous allons continuer à accélérer pour faire encore plus de chemin. Et peut-être dans une autre vidéo, on va commencer vraiment à aller dans les maisons. C'est parti! Les amis, franchement là j'ai pas trop d'idées de chemin, j'ai plus commencé maintenant à faire des maisons. Donc comme je vous ai dit, j'allais faire un style de maison autre. Alors c'est ce que je vais vous montrer. Alors c'est un style de maison qu'il y a dans les villages, de villageois que je connais très bien à chaque fois. Non attendez, c'est mal proportionné. Bravo, tu proportionnes mal les maisons. Ridicule. Petit bobo, la gueule. Alors en fait c'est une maison de 3. C'est simple, il y a... ça, en fait c'est simple, c'est ça. C'est une maison comme ça. Il y a vraiment ça dans un village, hein. Je vous l'assure sur la vie de ce jeu, il y a des maisons de ce style. Avec des vitres comme ça et comme ça. Des murs et pas de plafond de toit comme ça, non. Un toit avec des dalles, je vais vous montrer avec des dalles, sous les dalles le truc, vous savez quoi, je prends des dalles comme ça. Alors là, et là il y a ça, et en fait la maison est comme ça. Elle est grande comme ça. Tu rentres dedans. T'as le toit tranquille. T'as le petit toit. Et
à l'extérieur, en fait, t'as ça. Voilà. Mais bien sûr, on va... On va décorer cette maison en prenant tout ce qu'il y a là-dedans. La torche aussi. Hop, et on va faire comme dans le village. Hop, mettre une torche là, mais moi j'en mets toujours deux. Au moins c'est sûr qu'il y a de la lumière. On va mettre ça là. On va mettre un simple coffre et un petit four. Voilà. Et voilà, nous avons une maison de villageois petite. Toute petite. Toute petite mini rikiki. Alors, bah voilà, tout simplement. Donc, ce village, je prévois de le faire grand, mais très grand. Genre ça, c'est que le début, hein, il voudrait prendre tout le désert, le village, vous voyez. Donc, je pense qu'on va continuer un gros accéléré, où je m'amuse à construire des maisons de tout type. C'est parti encore, un accéléré. Accélérer, voilà. Je sais, mais bon, en fait, je pense que les épisodes vont pas être longs, mais vont être courts, parce qu'en fait, ça va, pour moi, c'est long, pour vous, ça va être comme ça. Ben, je pense que pour la fin de cette vidéo, nous allons faire spawner les villageois, les 4 villageois, les 4 villageois. Ici. Alors. Hop, un villageois dans sa maison. Un villageois dans sa maison. Et un villageois dans cette maison. Et un villageois dans cette maison. Voilà! Ils vont s'initialiser avec leur maison. Arrête! Avec ce qu'il y a dedans. Et normalement, celui qui a le fermier est éliminé. Attendez. Attendez, il y a un petit problème là. Le vermi s'est trompé de baraque. Je suis désolé, mais je dois faire un slash kill. J'avais oublié qu'on n'était pas dans Windows 10, et dans Windows 10 on peut crever. On peut crever aussi. Et dans Java on peut crever donc. Et viens ici toi. Viens ici. Bon, je suis désolé, mais le problème c'est que je dois initialiser le villageois avec
Avec sa maison, avec la maison en clair, le villageois là, je dois l'initialiser avec sa ferme et sa maison. Bon, j'attends que tu deviennes fermier, parce que tu dois dormir dans cette maison. Connard, tu vois là, mais je le vois, tu vois le champ là. Tu vois le champ là, le champ ici. Je sais plus, tu vois le champ là. Ah, ici. Tu vois le champ là, il est pour toi. Je vais donner des graines, mon gars, tu vas rien comprendre. Non, pas BK, BL. Ah, bah c'est bien. Mais maintenant, fais-les dans ton champ, connard. Ça va être une galère. Iggy, tu fais quoi? Il y a un villageois là. Mais en fait, j'ai compris pourquoi il n'y a pas. J'ai compris pourquoi il vient pas fermier. Fermier. Et normalement il disait fermier. Voilà. Donc maintenant, paisiblement, je peux faire spawner les villageois. Un villageois dans celle-là. Un villageois dans celle-là. Et un villageois dans celle-là. C'est bien. Ils dorment tous. C'est tout le bien. Donc les amis, même s'il fait noir, on va se mettre sur une maison. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo de série. Si ça vous plaît, bah, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que je peux rajouter dans ce début de village. Qu'est-ce que je peux mettre de nouveau. On se retrouve pour peut-être une prochaine vidéo. C'était juste pour la Team 112. Ciao.